Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui sur Objectif Fort, on est super content de vous retrouver. Donc là, on a une troisième vidéo pêche à l'aimant. Donc les deux précédentes ont été en centre-ville. Donc On a eu de la chance même, puisqu'on a trouvé, des menottes et des munitions en centre-ville. C'est vrai, et des pièces, pas mal de pièces aussi. Et ouais, pas mal de pièces, enfin, on a vraiment dépollué. Et là, on voulait tester un peu plus à la campagne. Voir ce que ça donne. On a regardé pas mal de vidéos aussi. C'est vrai que souvent, quand on parle avec des gens, ils nous disent qu'en campagne, ça va être plus des gros trucs plutôt que de la masse. C'est vrai qu'en centre-ville, c'est vraiment ça. On a trouvé une tonne de clous. Vous allez voir dans les vidéos, on vous met les liens dans la description. C'est vrai que là, c'est nous tenter la campagne. Donc il fait froid, il fait bon, on va voir ce qui se passe. Il fait moins de 2 degrés, c'est parfait. Bon, ce qui est bien, c'est que l'eau elle est aussi claire. Ouais, l'eau, franchement, là, je sais pas si vous voyez, mais c'est super clair. Ouais, on va pouvoir essayer. Là, on voit une forme ronde. On va essayer de voir ce que c'est. On devine une barre en fer ici. Donc on voit direct, on va pas ramener beaucoup de choses, mais peut-être plus de qualité. Allez, c'est parti, à celui qui trouve le plus gros. Je t'ai trouvé. Moi j'essaye. Oh, c'est dur. Non, je rigole. Ah, t'as la barre en fer, mais elle a l'air bloquée là. Bloquée. Donc, je pense que j'ai rien. On voit pas vraiment de pièces. Hein. Ouais, sinon c'est pas le même âge. J'ai quand même le droit des tout petits clous. Ouais, voilà. Des tout petits bouts de métal, des tout petits cailloux. Ouais, c'est exactement pareil. Ouais, voilà. On fait moins de bisous. Toi t'as un truc violet comme j'avais la dernière fois. Ah ouais. Je sais pas ce que c'est ces trucs violets là, si vous savez, ça fait plusieurs fois qu'on en attrape. Bon allez, c'est parti, on se reprend pour dès qu'on remonte quelque chose. Hein. Ouais. Alors, je te fais un lancer. Tu vas péter un wild. Je te ramène au moins un gros truc. Au hasard. Tiens, regarde. Il y a un truc là. C'est à quoi? C'est une brise. Merde, j'ai lâché. Alors, c'est à quoi? On a de la merde. Bon, je suis content que j'ai quelque chose. Moi j'ai quelque chose. Regarde, il y a quelque chose. Eh ouais, bien sûr, j'ai quelque chose, je te l'ai dit, je te fais un lancer, je te ramène un gros truc. Bon. C'est quoi, c'est un tuyau. C'est un tuyau en cuivre, mais qui a été peint. Bien dégueulasse. Bah, il n'y a rien de spécial. Du métal quoi. Toujours la même chose, hein. Les clous. C'est pas bien, j'ai pas de gants. C'est pas bien du tout. Faut pas faire ça. Il y en a dans les commentaires qui me l'a dit. Là. C'est pas bien. En fait, à chaque fois j'ai l'impression d'avoir quelque chose, mais c'est l'aimant qui est super lourd. En fait, la longueur de la corde, elle est nickel. Bon, c'est toujours rien. C'est dégueulasse, c'est toujours pour moi. Hein. C'est toujours un truc dégueulasse. J'avais cherché le clou qui était coincé dans un truc dégueulasse, comme d'hab. On devine, je sais pas, un bout de quelque chose, on dirait qu'on a un volant de voiture. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de dépôts. On va essayer de récupérer le volant. On va appeler au renfort SOS Steven. Au meilleur des cas, j'arrive à le coincer. Eh, viens, il faut qu'on remonte un truc. Là. Regarde, il y a un volant. Là. Un volant? Il faudrait essayer de viser au milieu. Ah putain, ça colle carrément. J'ai un truc énorme. T'arrives? Ouais, j'ai un truc énorme. Regarde. Ah, ça commence, ça mord. Qu'est-ce que c'est que l'échelle? Regarde, s'il n'est pas puissant, on est mort. Ouais. Watcha! Attention. Ça, c'est puissant. Une échelle pour les schtroumpfs. C'est cassé en tombant ici. On va faire un bon port de puissance. Vas-y. On va
a l'air plus lourd. Oh! Oula! Il l'a perdu! Il a commencé. Ouais, c'est parce qu'il y a des barres. Ouais, il y a des trucs de barres. Ouais, c'est dommage qu'il y ait des arbres. Il nous embête. T'as toujours plus puissant, les mots. Ouais. C'est abusé, c'est beau, c'est un carcasse. Ah, il est lourd. Ouais, c'est stylé, ça. Il y a des gros trucs parce que le fond est propre. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas une inscription ou quoi dessus? C'est de la fonte, je crois. Ouais, c'est de la fonte. C'est un truc de poils, je sais pas. Ah, ouais, ça mord, quoi. Mais ça va être un boulot en plastique. Là, au milieu, je me dis, il y a peut-être. Au milieu, oui, il y a quelque chose. Ah, c'est bon, je l'ai. Ah, bien, Mino. T'arrives à le décoincer? Ah, comme ça, vas-y. Comme ça, tu l'as. Non! Faut que je le décoince. Bien mauvais. Si, il est aimanté, mais très très léger. Vas-y, essaye, mais je t'en prie. Décale-toi, je crois. Ouais. Je viens d'assister au lancer le coup de fond de la pierre. Allez, mets le vôtre. Ça m'a pris légèrement. Je sais pas si c'est un truc de tracteur, ça prend grand chose. Il est pas si léger, il est coincé quoi. Oh. Ouais, il est monté quand même. Ouais, il est juste qu'il est coincé. Ouais, il est coincé. En gros, faut non coincer les mains. Allez. Ah, là t'es bien là, vas-y. Voilà, comme ça tu le bloques. Eh oui, là tu l'as. Vas-y. Voilà. C'est ça qu'il faut faire, Mino. C'est tout seul en fait. J'ai l'esprit en aimant en plus en fait. Bon, quelle marque? Une BM, une Mercedes, un tracteur. C'est pas un truc, c'est pas une belle voiture. Hein. Il en est un la lampe. Ah, il est aimanté un peu quand même. Pas de quoi le relever, mais. Ouais, on a eu la chance de le coincer quoi. Ouais. C'était obligé qu'il fallait le coincer. Bon, il n'y a pas de marque dessus. Bon, mais les amateurs de voitures, dites-nous ouais, c'est un volant de quoi dans les commentaires. Ah non, ça c'est sûr. C'est au moins 20 ans ça. Non, ça peut être stylé ça. Il n'y a pas une marque en dessous. On dirait qu'on est en train de voir. On va nettoyer. Ouais. C'est un tracteur hein, enfin, en c'est tout cas, il est pas, hein. Il est pas léger. Il est pas léger. Faut enlever ça là encore. C'est pas une marque. Non, c'est stylé. Ouais, dites-nous dans les commentaires si vous savez ça c'est quelle marque environ. Ouais, les poissons qui viennent de passer. Un quoi? Les poissons, ils étaient énormes. Ouais, bah ils ont pas des dents en fer. Hein. Faut que les pécho avec ça. Oh. C'est des cigarettes au milieu là-bas, c'est ouais, quoi? Ouais, sympa que les cigarettes. Et pourquoi il est en aussi bon état? Qui vient d'apparaître. Attends, on va voir si c'est pas une boîte de cigares, peut-être qu'elle se fait aimanter. Un gros truc là. Ah, tu passes pas à côté. Pollution. Pollution est là, franchement, on teste bien le pot des aimants. Grosse tige, grosse barre. Regardez la précision, l'art de la pêche à l'aimant. Eh ouais, allez, pote. C'est métallique. Eh ouais, c'est comme ça que ça se fait. Non, c'est, non. Là, c'est pas des clopes. Si, je pense que c'est une boîte de cigares. Non ouais, ça doit être une boîte de cigares, il n'y a que ça qui est en métal. Ah, c'est stylé. Une petite boîte de cigares. Tu le vois bien. Elle est super récente celle-là. Hein. Ouais, elle a été jetée hier aujourd'hui ça. Ouais. Et voilà comment on a. Attention. 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 Rien. Non, on n'a rien. C'est beau. Hein.
C'est beau rien, parfois. Ça c'est beau. C'est une belle barre. C'est une belle barre. Je la mets là, comme ça. Hop. Ça, ça sent le truc de la ville. T'as un régime là ou quoi? Bah, j'étais juste à côté, j'ai pris la barre. C'est homogène, c'est beau, c'est ovale. Sur une terre de rugby. Tiens, c'est une boucle d'oreille pour t'attendre. C'est beau, c'est ovale. C'est beau, c'est ovale. Bon voilà, ça fait à peu près une heure là. On a fait, il y avait 3-4 ponts là, on a fait tous les ponts, tous les bords. Tout ce qui était grosses plaques métalliques, on les a directement mis. Hop, là on a gardé que les jolis trucs entre guillemets. Tout ce qui était métallique, on a tout mis à la benne. Ça c'est ce qu'on va ramener, on va nettoyer sûrement pour essayer de voir. Donc on a trouvé un volant, bon, s'il y a des experts de voitures, je pense que c'est plutôt ancien, je pense que c'est vraiment une voiture des années 90, on ne devine aucune marque. Dites-moi, je ne sais pas si c'est marqué dessous, à droite, à gauche. Il est assez lourd, il est métallique mais que de l'intérieur. Ensuite, bon, la découverte sympa, c'est la boîte à cigares, bon, sympa entre guillemets. Elle est toute neuve, on voit, bon forcément il n'y a plus de cigares dedans. Et ça, je sais pas ce que c'est. C'est une pièce de je sais pas quoi. Donc voilà tout ce qui est entre guillemets joli, qui a de la valeur. Donc si on peut résumer un petit peu la pêche allemande. Bah, on a eu beaucoup de gros trucs au final. Ouais, beaucoup de gros trucs, des grosses plaques, etc. Donc nous on les achetait directement, donc ça sert à rien. Mais beaucoup, l'eau est propre. L'eau est vachement propre en campagne, on trouve. Beaucoup de gros trucs. C'est sympa. Franchement, c'est totalement différent. Le volant, on l'aurait peut-être pas trouvé là-bas. Donc il y a des grosses pièces, c'est à faire. Si vous habitez en campagne, vous pouvez trouver des trucs dans tous les cas. Après, c'est un peu plus long du coup pour trouver. Là, on a mis une heure pour trouver ça. Ouais, d'habitude, en une heure, on remonte le triple de volume. Enfin, là, il y a des gros morceaux. En ville, c'est des petits morceaux. Perso, je préfère trouver des pièces. Donc, je pense que la prochaine, on va se rapprocher de la ville. Ouais, moi, j'aime bien les gros trucs, moi, comme ça. T'aimes bien la campagne, moi, je préfère la ville. Ouais, j'aime bien. Bon, on a pu tester nos aimants, on va voir que c'était bien costaud aujourd'hui. Ça par contre, c'est rassurant pour la ville, c'est que dès qu'il y a un gros truc, on l'a. Un vélo, un scooter, une connerie comme ça, on peut-être pas, mais un vélo et une mobilette, on la lève, je pense. Un scooter, à tous les deux, on le remonte, avec les deux aimants. Bon du coup, c'est parti, comme on dit, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Super content de vous retrouver encore, et dites-nous dans les commentaires... ce que vous avez trouvé à la campagne, le plus gros. Ouais, c'est vrai. Et le nom de la marque. Le nom de la marque de voiture. Et de fumer dessus. C'était le mot de la fin. Allez, merci beaucoup, on se retrouve bientôt.